بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يعطيه الله ورسوله فقدَ فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشرار مهم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة أخوات حياكم الله On commence donc ici une Une nouvelle série de cours, et il y aura, Allahu A'alam, énormément de cours. Puisqu'on entame, bi les cours sur le tafsir du Coran. L'explication, l'exégèse, somme toute abrégée du Coran. Celle d'Ibn Kafir, Rahimullah. D'accord Je me base sur l'édition Darussalam, Salam, qui est une bonne édition en la matière. Et ils font de bonnes traductions. Et c'est une référence, ce tafsir chez eux. Non, mais ça se trouve en 10 volumes, donc en langue française, disponible, et c'est vraiment un, un bijou. Pourquoi Parce que 10 volumes, ça peut paraître beaucoup, mais c'est assez court pour euh, un tafsir du corps M, voilà. C'est abrégé, mais sans trop l'être. et c'est surtout très bien organisé. C'est-à-dire que Sourate versé après soir, verset après vous, verset, si vous vous le procurez, ou comme là, on va l'étudier ensemble, vous verrez, il y a des thèmes à chaque verset ou morceaux de verset ou même mots et c'est expliqué comme ça c'est très fluide c'est très détaillé et très fluide pour une exégèse abrégée la, la, la mise en page est vraiment marchand donc c'est pour ça que je me base sur cette édition ce, ce modèle pour vous faire euh, court et donc forcément 10 volumes mais bon autant hein, les, les 114 sont là à expliquer Qu'Allah nous prête vie pour enseigner cela, il y aura, j'en sais rien. Il peut y avoir 300, 400 cours. à je dis comme ça, ça peut être 150, ça peut être 200, je ne sais pas. Mais il y aura bon nombre de cours si Allah nous le facilite et on progressera petit à petit. L'essentiel, ce n'est pas de lire vite pour dire ça a été complété, c'est de lire, d'expliquer. J'essaierai, Inch'Allah, correctement et puis que ce soit bien détaillé, bien clair pour que ce soit compris. Allah nous facilite à faire le maximum. Euh, on va lire brièvement, pas en détail, pour justement gagner du temps, mais euh, de manière concise, la biographie d'Ibn Kathir. D'accord Son nom complet est donc Abul al fida Imad al din Ismail ibn Omar ibn Kathir al-Qurashi al-Busraoui. Il est né en 701 de l'Egypte. En 701 de l'Egypte, ça correspond à environ aux années 1300, calendrier grégorien. Il est né à Mishdel. Un village proche de Bosra. C'est pour ça qu'on dit Al-Bosraoui. C'est sa localité. C'est une province de Damas. Donc en, en Syrie. Son père, le prédicateur du village, il est mort rapidement, laissant Ibn Kafir orphelin à l'âge de 4 ans. Son frère, le Shir, l'imam Abdel Wahab, se chargea alors du jeune Ismaïl Et en particulier de son éducation. À l'âge de 5 ans, d'accord En l'an 706 de l'Égyr, donc. Euh, Ibn Kafir s'installa à Damas où il côtoiera les plus grands savants de son temps, donc déjà à l'âge de 5 ans d'âme, avant de devenir lui-même un maître respecté. Voilà. Pour ceux qui veulent une biographie plus en détail, etc., et, et, et revenir sur les éléments de sa vie, c'est facilement euh, disponible sur Internet. Ça peut se trouver. Les maîtres d'Ibn Kafir, les élèves d'Ibn Kafir, les principaux ouvrages d'Ibn Kafir, la mort d'Ibn Kafir, c'est tout ce que j'ai euh, voulu survoler. Voilà, je vous ai donné que les, que les thèmes. Et son livre, ou un des livres les plus importants, je vous en cite juste un, un passage sur les principaux ouvrages. Un des livres les plus importants qu'il a fait, c'est le tafsir Ibn Kafir, le, le tafsir du Coran. Hein. Voilà, c'est un des plus, euh, des plus connus. Il a aussi euh, il y a entamé l'explication du Sahih Bukharim, mais il est mort avant de l'achever. Rahim qu Allah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, on commence bien évidemment avec l'exégèse de sourate Al-Fatiha. D'accord Bismillah ar-Rahman rahim Les noms. Les noms, il commence uniquement en disant les noms de la sourate Al-Fatiha et leur signification. Avant même d'aborder le début de la avant même de l'expliquer. Il dit, Rahimullah, cette sourate est appelée Al-Fatiha. Littéralement, en arabe, al-fatiha, ça signifie l'ouverture. C'est pour ça que souvent on l'appelle comme ça, l'ouverture du livre. Hein, ou bien l'ouverture. Al-fatiha, c'est l'ouverture. C'est-à-dire l'ouverture, le commencement du livre, du kitab, du Qur'an. En outre, en outre, c'est par cette saura que le fidèle, hein, en prière, ouvre et débute sa récitation du Qur'an. D'accord. Donc c'est l'ouverture du livre et l'ouverture de la prière. Voilà pourquoi elle s'appelle comme cela. Elle est aussi appelée Umm al-Kitab, c'est-à-dire la mère du livre. Umm al-Kitab, la mère du livre. À ce sujet, Al-Firmidi rapporte en l'authentifiant ce hadith qu'Abi Huraira tient du messager d'Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Et il est dit Louange à Allah, Seigneur des mondes. C'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil alamin Il l'a cité comme cela. Pour désigner quoi Al-Fatiha. Il a dit Surat al-Fatiha, c'est la mère du Coran, Umm al-Kitab. La mère, Umm al-Quran plutôt, et la mère du livre, Umm al-Kitab. C'est aussi les sept que l'on répète, les sept versets que l'on répète. Pourquoi Parce qu'on la répète en permanence dans la, dans la prière. Hein Ashab al-Mathani. Et le sublime Coran, le Coran al karim La Surat al-Fatiha est encore appelée la louange. La louange, vous connaissez certainement le mot, el hamd elle est aussi appelée la louange, puisque on débute par ce mot, el ou elle est encore appelée la prière en conformément, euh, conformément à, ce que le prophète aïe sur le Salam rapporte de son Seigneur, j'ai partagé la prière en deux parts égales entre moi et mon serviteur, aussi lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Allah dit Mon serviteur maloué. Normal. Et Al-Fatiha est donc appelée Al-Salat car sa récitation est une condition de validité de la prière. D'accord Elle est aussi surnommée Al-Raqiyah. Al la guérison par la récitation du Coran et les invocations légiférées de la Soudna. Pourquoi elle est appelée al Conformément au hadith prophétique rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, d'après Abu Sa'id al-Khudri, qui, après l'avoir récité afin de guérir un homme piqué par un serpent, s'est entendu dire par le messager d'Allah, mais comment as-tu su qu'elle était une ruqiyah Comment as-tu as su qu'elle est une ruqiyah Non. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, par rapport à ruqiyah, oui, Surat al-Baqarah est utilisé et ayat al kursi et les trois dernières du coran al farq nas al ikhlas al nas bien sûr bien sûr et parfois les gens se tournent vers la personne qui a le plus de coran le plus de coran afin qu'elle récite un maximum sur sa personne afin de guérir b'illah ce n'est pas interdit, ce n'est pas une mauvaise chose, mais on le dit, on le redit, on le répétera toujours, ce qui compte c'est aussi la volonté du cœur de la part du malade, un tawakkul fort et même de la part de la personne qui fait ruqya, la personne qui vient pour soigner la personne qui est malade. Ce n'est pas nécessaire forcément qu'elle connaisse tout surat al-Baqara. Elle peut se suffire, on le voit ici de même ruqya, elle Fatiha. Mais la manière dont elle comprend fait Fatiha, de la manière dont elle vit elle Fatiha. Comprenez? C'est en fonction de son tawa de son tawhid. C'est là que l'effet ah, aura plus d'impact. Ou pas. En fonction de. D'accord? Pareil pour les soins. C'est bien, on dit on fait l'eau coralisée, on fait le miel, on fait l'huile, etc. Tous les remèdes comme ça, c'est légiféré, il n'y a pas de problème. L'arrestation, il n'y a pas de problème. Mais surtout ce qu'il faut soigner c'est la croyance. Et de la personne qui récite dit le raqi, même si ce n'est pas un métier, il n'y a pas de titre comme ça, on dit pas un raqi. Voilà. C'est un frère, ou une sœur, qui fait une sœur, qui récite du Coran, tout simplement. C'est un musulman. C'est musulman, voilà. Mais, la, 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 la personne et celle qui donne et celle qui reçoit doivent revoir, apprendre leur croyance et être fermement attachés à Allah. D'accord sans quoi, c'est pas le remède qu'aura un problème. Mais ce sera là où les personnes. D'accord fait Fatiha, en vérité, suffit comme Ruqya. Qui ne connaît pas le Fatiha Ils disent, oui, je ne peux pas me faire Ruqya seul, je ne connais pas du Coran. Je dois avoir un Rukia à tout prix. Déjà, il y a beaucoup de charlatans de nos jours, mes frères et sœurs. Faites attention. Faites attention. J'ai déjà fait des audios à ce sujet. Guérir de la sorcellerie, de la possession, des wassawis des maladies psychologiques. Ou bien, se faire à seul. J'ai déjà fait des audios et vidéos sur le sujet. Il y a énormément de charlatans. Prenez garde, Bidnilla. Des gens qui soient prennent comme ça l'argent, volent presque l'argent des gens un peu désabusés, des gens un peu... Bah ils sont malades, donc ils sont un peu en dépression, ils sont un peu... Hein, euh, en position de faiblesse. Pour moi, parfois, c'est de l'abus de faiblesse, certains, ce qu'ils font. Mais chacun rendra ses comptes. Bref. Il y a ça. Il y a les gens aussi qui ne sont pas sur le Qur'an et sur la Soudna, donc qui usent de, parfois de formules, incantations plus sataniques que bénéfiques, que coraniques. Il faut faire attention, il y a énormément de charlatans. Voilà. Mais ça existe, des fois, des frères qui font Fisabilillah, des frères de la Sunna, Salafi, qui font bien le travail et qui aident des malades, bien sûr. Mais, il faut pas chercher forcément quelqu'un qui va connaître Edbakara. Pas obligatoirement. Tu as le Fatiha, tu la médites, tu la comprends, ça te suffit. Et tu te récites toi-même. Tu te fais à toi-même. Tu mets la nia de guérir, avant de faire un bien, notamment. Ah bah avant de faire une bonne action, une aumône, tu mets la nia de guérir, T es légiféré, hein? Ou avant de faire court comme je le fais là, je peux mettre la nia, euh, y a ni d'avoir un risque ou la nia d'avoir un apaisement ou la nia de guérir, etc. Donc quand tu fais un bien, mon frère, ma soeur, surtout comme sans perte de Ramadan et tu cherches à guérir, mais cette nia, c'est important, mais cette intention de euh, Bismillah, je fais pour Allah et j'attends et j'espère un retour. Concernant mon, mon cas. D'accord Et tu récites Al-Fatiha comme ça. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah guérisse les malades de tout genre. Al-Muhim Al-Fatiha fut révélé à Mecca, selon Ibn Abbas, Qatada et Abu Al-Aliya, puisqu'Allah a ala dit dans Sura al Al-Hijr, al euh, qui elle-même fut révélée à Mecca Nous t'avons certes donné les sept versets que l'on répète nous t'avons certes donné les sept versets que l'on répète, c'est-à-dire Al-Fatiha. Mais Allah Ta'ala en est mieux informé que quiconque. Donc, on rappellera les noms. C'est Al-Fatiha, donc l'ouverture, ou Al-Kitab, ou Um al la mère du livre, la mère du Qur'an, d'accord, Al-Hamd, d'accord, aussi les sept que l'on répète, Ashab Al-Mathani, aussi assalat, la prière et puis la et puis la le nombre de versets de cette sourate il n'y a ici aucun désaccord là-dessus parmi les savants de l'islam elle fatiha est composée de sept versets c'est rapporté même dans les textes et elle basmala, el -basmala c'est-à-dire les paroles bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux est un verset indépendant qui se situe au début de la sourate comme l'affirme la majorité des lecteurs de la ville de Kufa un groupe de compagnons certains de leurs successeurs immédiats à savoir les tabi'in et un nombre de savants des générations suivantes Donc, il y en a qui vont dire que c'est un, un, un al que c'est un verset indépendant qui se situe au début de la sourate qui n'est pas dans la sourate et il y a divergence à ce sujet le nombre de mots et de lettres de Sourat al-Fatiha. Les savants de l'islam précisent que Sourat al-Fatiha est composé de 25 mots, soit 113 lettres. 25 mots et 113 lettres. Non. La raison pour laquelle elle fut appelée la mère du livre, Umm al -Kittah. Au début du chapitre de son sahir consacré à l'exégèse, el-Bukhari affirme ce qui suit. Elle fut appelée la mère du livre car le Coran débute par « elle ». Et que l'on commence par la réciter au cours de la prière. On dit aussi qu'elles furent surnommées ainsi parce que tous les enseignements du Coran s'y trouvent réunis. Un petit peu comme un enfant qui reviendrait vers sa mère pour avoir des informations, pour être éduqué. On revient à Al-Fatiha qui contient tous les enseignements en vérité. Et tous les types de taurides également. Revenir aussi à. Euh, Au tafsir, je m'étais basé sur euh, ce qu'avait fait Sheikh euh, Nasir al-Din al-Sa'di, pour donner cet audio-là, qui dure une trentaine de minutes, euh, un tafsir court comme ça de Surah Al-Fatiha, disponible déjà. On parlait justement des, des, des types de, de théories qui se situent euh, à l'intérieur de cette Surah. Donc tous les enseignements du Coran s'y trouvent finalement. Or, selon Ibn Jarir, les Arabes utilisent le terme mer, um. Mère pour désigner ce qui rassemble. Jamia. Hein ce qui rassemble. Elle jamia. Ou ce qui constitue le prologue à d'autres choses tout en les rassemblant. Ainsi, la peau qui recouvre la tête. Le cerveau même. Plus précisément. La peau qui recouvre et rassemble le cerveau est appelée la mère de la tête. Um. Ras. De même, la bannière de l'armée sous laquelle les soldats se rassemblent est appelée mère. Um. Um. Hein, la bannière. Quant à la Mecque, ajoute-t-il, elle fut surnommée la mère des cités. ou al-Qora. Oumou el qura eut égard à son antériorité sur toutes les autres cités, dont elle est le centre. Mecca. D'autres ouais. affirment que la Mecque fut appelée ainsi, car la terre fut étendue au début de la création en partant d'elle. Voilà pourquoi elle a été appelée la mère du livre. Même par rapport au niveau de la racine du mot arabe. الإمام أحمد ربط داخل أبي هريرة رضي الله عنه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة: إنها المرأة في القرآن، إنها المرأة التي نحفظها هي القرآن الكريم. كما نحن نتكلم عنه أبو جعفر محمد بن جارية الطبري ربط داخل أبي هريرة رضي الله عنه، إن الله صلى الله عليه وسلم قال: Elle est la mère du Coran, l'ouverture du livre et les sept que l'on répète. Non. Les mérites de Sourat Al-Fatiha sont nombreux et immenses. L'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte dans son mousnad ce récit d'Abu Sa'id al-Mu'alla radiallahu euh, anhu. Alors que j'accomplissais la salat, la prière. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa m'appela, mais je ne répondis à son appel qu'une fois ma prière terminée. Je me rendis alors auprès de lui et il me demanda Qu'est-ce qui t'a empêché de venir avant me voir Je t'ai appelé. Il a dit Rassallah, j'étais en train de prier. Il ajouta Allah ta'ala ne dit-il pas Ô vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui est vital pour vous. Et il poursuivit En vérité, je vais t'apprendre la plus grande sourate du Coran avant que tu ne quittes la mosquée. C'était pour lui enseigner ça, c'était important. c'était pas une prière obligatoire, hein. ce qu'il devait délaisser ici, au niveau de l'enseignement. C'était une prière surrogatoire. Si ta mère t'appelle alors tu as une prière surrogatoire, tu coupes cette prière surrogatoire-là et tu obéis à ta mère. En obéissant à ta mère qui t'appelle, tu obéis à Allah et son messager. Et bien là, c'est impossible aujourd'hui, mais si le messager t'avait appelé, comme il avait appelé Abu Saïd, voilà, il fallait couper et venir. On parle d'une prière surrogatoire et non pas obligatoire. Donc je vais t'enseigner la plus grande sourate du Coran il lui dit il me prit ensuite par la main et lorsque nous fûmes sur le point de quitter la mosquée je lui dis ya là tu m'as promis de m'enseigner quelle était la plus grande sourate du Coran et il dit n'am Na il s'agit de la sourate débutant par alhamdulillahi rabbil alamin ce sont les sept que l'on répète et le sublime Coran qui m'a été donné rapporté en ces termes par al-Bukhari Abi Dawood, Al-Nasa'i et Ibn Majah par ailleurs, dans le chapitre de son Sahih, intitulé euh, Fadail al-Qur'an, Les mérites du Qur'an, Shir al-Bukhari rapporte ce récit d'Abu Sa'id al-Khudri. Alors que nous avions fait une halte au cours de l'un de nos voyages, une servante se présenta à nous et nous informa que le chef de sa tribu avait été piqué par un serpent. C'est l'histoire du serpent, Naam, avec la rokia Elle expliqua que les hommes étaient absents et. Il demanda s'il se trouvait parmi nous un guérisseur. Un homme que nous ne pensions pas être un guérisseur se leva et l'accompagna. Il prononça une roqya sur le chef qui guérit sur le champ. C'était El Fatiha. Ce dernier lui offrit trente moutons et du lait. Lorsqu'il fut de retour, nous l'interrogeâmes Tu sais faire des roqya Ou bien tu étais guérisseur auparavant Il répondit Là, je me suis contenté de réciter Umm al-Kitab, El Fatiha. Rabbil alamin". Pour le guérir, nous nous sommes alors dit ne faites rien, ne faites rien jusqu'à ce que nous interrogions le messager d'Allah. Et de retour à Médine, nous relatâmes les faits au prophète qui dit Comment a-t-il su qu'elle était une roquilla Partagez les moutons entre vous et réservez-moi une part. Non. Par ailleurs, donc. Muslim dans son recueil authentique et An-Nasa'i dans ses Sunan rapporte ce récit d'Ibn Abbas. Alors que Djibril alors que Djibril se trouvait avec le messager d'Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, celui-ci entendit comme un craquement au-dessus de lui. Gabriel, Djibril leva les yeux au ciel et dit ceci est une porte du ciel qui vient de s'ouvrir pour la première fois aujourd'hui. Un ange en descendit et se rendit auprès du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam auquel il dit « Réjouis-toi de deux lumières qui t'ont été accordées, et à aucun autre prophète avant toi. » Il s'agit de Sourat al-Fatiha, et des derniers versets de Sourat al-Baqara, la vache. Tu ne réciteras pas une seule lettre de l'un de ces versets, sans être exaucé dans les invocations qui s'y trouvent. Ce récit est celui dan nasai et Mouslim, le rapportant des termes rapprochés. Al-Fatiha, dans la prière maintenant. Muslim rapporte d'après Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah a dit Quiconque accomplit une prière sans y réciter la mère du Coran, al-Fatiha, donc, sa prière est incomplète et invalide. Il répéta cette parole à trois reprises, comme quand il voulait marquer les choses. À trois reprises, il a dit cela Quelqu'un fit remarquer à Abi Hurayra, Nous prions derrière un imam. Il répondit Récite-la en toi-même, quand même cest dire quand l'imam la récite, récite-la en toi-même. Car j'ai entendu le message d'Allah. Allah a dit J'ai partagé la prière en deux parts égales entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur obtiendra ce qu'il demande. Aussi, lorsque le serviteur dit Alhamdulillah Allah a dit Mon serviteur m'a loué. Puis, lorsqu'il dit Allah Ta'ala dit Mon serviteur m'a glorifié. Et lorsque le serviteur dit Malikion mid Allah dit Mon serviteur m'a magnifié. Ou selon une autre version, mon serviteur s'en est remis à moi. Puis lorsqu'il dit Allah Ta'ala dit Dis, ceci est à la fois pour moi et pour mon serviteur et mon serviteur obtiendra ce qu'il demande c'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons c'est pour allah et c'est toi seul dont nous appellerons le secours c'est le besoin et le serviteur obtiendra ce qu'il demande Allah dit, une fois que le serviteur a dit cela, ceci est pour mon serviteur et mon serviteur obtiendra ce qu'il demande, à savoir guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. On expliquera euh, qui sont ceux qu'Allah a comblés de faveur, qui sont ceux qui ont couru la colère d'Allah ou d'Allah et qui sont les égarés. Rapporté en ces termes par Al-Nasai, dans une autre version rapportée par Muslim al et aussi, il est dit, la moitié pour moi, l'autre moitié pour mon serviteur, et mon serviteur obtiendra ce qu'il demande. Voilà comment se déroule Al-Fatiha en prière, et c'est bien d'entrecouper, c'est-à-dire de ne pas joindre les versets, justement, pour qu'il y ait cette sorte de dialogue avec Allah Hein? que Allah puisse te répondre. Il dit Alhamdulillah, Rabbil ar rahman Ar-Rahim, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que faisait le prophète sallallahu alayhi wa Il allongeait les syllabes de fin et il laissait un temps entre les versets. Wallahu le rapport de ce hadith qu'on vient de citer avec Al-Fatiha. Dans ce hadith, le terme salat, prière, est employé avec le sens de lecture coranique, en vérité. Hein? Comme dans les paroles du Très-Haut, et ne prie pas à voix haute ni à voix basse, mais cherche le juste milieu entre les deux. Autrement dit, autrement dit ne récite pas le Coran à voix haute, en criant, ni à voix trop basse, comme ça, en chuchotant. Non, cherche le juste milieu entre les deux, comme l'explique clairement Ibn Abbas dans le recueil authentique d'Al-Bukhari. De même, dans ce hadith, Allah a dit J'ai partagé. La prière en deux parts égales entre moi et mon serviteur, la moitié est pour moi et l'autre moitié est pour mon serviteur, et mon serviteur obtiendra ce qu'il demande. Ensuite, Allah azawajel détaille ce partage de la récitation dans Surat Al-Fatiha. Ce hadith prouve l'importance de la récitation du Coran au cours de la prière, car cette récitation constitue l'un des principaux piliers de la prière. En effet, le terme salat, prière ici, a été utilisé pour désigner une partie seulement de cet acte d'adoration, la récitation coranique. Inversement, le terme lecture aussi a été employé avec le sens de prière. Dans les paroles d'Allah justement, dans le sens et aussi la lecture de l'aube car la lecture de l'aube a des témoins. C'est quoi la lecture de l'aube La prière de l'aube, c'est-à-dire yani Salatul fajr. Ainsi, un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur recueil authentique indique clairement que les anges de la nuit et ceux du jour y assistent. C'est-à-dire salatul fajr, la lecture de l'aube. Donc lecture ou prière ça peut désigner et la lecture, la vraie, et la prière, le qiyam. C'était le sens ici de ce qu'on a vu dans le chapitre précédent de lecture. L'obligation pour l'imam et pour celui aussi qui prie derrière l'imam ou pour celui qui prie seul de réciter le Fatiha dans toutes les prières. Tout ce qui précède prouve qu'il est indispensable de réciter le Fatiha au cours de la prière. Les savants de l'islam sont d'ailleurs unanimes sur cette question. Un hadith que nous avons déjà mentionné le démontre également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit quiconque accomplit une prière sans y réciter la mère du Coran, sa prière est incomplète. En outre, Al-Bukhari wa Muslim rapporte d'après Ubadah ibn As samit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit la prière de celui qui ne récite pas le Fatiha n'est pas valable. Par ailleurs, dans les recueils authentiques d'Ibn Khuzaymah et d'Ibn Hibban, Abiy Hurayra, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La prière au cours de laquelle la mère du Coran n'est pas récitée n'est pas valable. » Et les hadiths allant dans ce sens sont nombreux. Donc voilà les hadiths là, hein, montrant l'obligation. Quel que soit le cas, tu pries seul, tu dois la réciter. L'imam, bien sûr, il la récite. Et même si tu es derrière l'imam, tu dois la réciter en toi-même. La récitation de l'imam ne suffit pas. La recherche de la protection d'Allah. La recherche de la protection d'Allah et ses règles. Ce qu'on appelle el L'isti'azah. Sois indulgent, ordonne-le bien et éloigne-toi des ignorants. Comme dit Allah ou dans le sens, et si jamais Shaitan t'insiste à faire le mal, si Shaitan t'incite à faire le mal, implore la protection d'Allah, car il entend, il sait tout. Il dit par ailleurs, Repousse le mal parce qu'il est meilleur. Nous savons mieux que quiconque ce qu'ils inventent. Et dit Seigneur, je cherche ta protection contre les tentations des démons, et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Également, il rapporte Repousse le mal parce qu'il est meilleur. Et voilà que ton ennemi devient-elle un ami chaleureux. Mais ceci n'est donné qu'à ceux qui endurent. Et ceci n'est donné qu'aux bénéficiaires d'une grâce divine immense. Et si jamais le Shaitan t'incite à agir autrement, alors cherche la protection d'Allah. C'est lui vraiment qui entend et qui sait tout. Ces trois versets dans le Coran sont les seuls versets du Coran dans lesquels Allah nous ordonne d'amadouer nos ennemis. Et de chercher protection auprès de lui contre eux. Parmi les hommes parmi les hommes, les ennemis, parmi les hommes, en agissant donc en bien envers eux. C'est-à-dire, tu as des ennemis, parmi les hommes, et c'est important de le préciser, parmi les hommes, tu as des ennemis, mais agis en bien avec eux, afin que leur nature, qui est à la base bonne, leur fitra est bonne, même le pire des kéfirs, méchant, injuste, poltron, dur, pervers, ce que vous voulez, qui a toutes les tares et les défauts du monde, il est né sur une fitra. Il est né bon, il est né juste, il est né pur. Donc pourquoi pourquoi cet ordre ici, de chercher bien sûr refuge auprès d'Allah, mais d'avoir de la douceur envers celui ou celle qui te cause du tort Pourquoi l'Amadoué, cette personne Parce que en agissant bien avec les gens, il se peut que leur nature, qui est bonne de base, fasse d'eux des alliés aux intentions pures. Il nous ordonne, Ta'ala également, dans ces trois versets, de chercher sa protection contre nos ennemis parmi les démons, mais eux. Il est indispensable de se protéger de, de ces démons-là. Car ils ne se laissent jamais amadouer. Quand bien même nous agirions au bien avec eux. D'accord Ils ne sont que mauvais. Les ennemis parmi les djinns. Les charlatans. Il n'y en a pas. D'accord Parmi les hommes, il y a des alliés et il y a des ennemis. Mais la nature de l'homme est bonne à la base. Et la nature dans Shaitan restera le mal. Shaitan ne poursuit en effet qu'un seul but, provoquer la perte des hommes. En raison de son ancienne animosité envers le père de l'humanité, Adam alayhi salam. D'accord Donc, on dira hein, Oh Allah, je cherche ta protection. Par exemple, contre les chariardines parmi les hommes et parmi les djinns. Mais si nous nous trouvons face à des ennemis hommes, êtres humains, il nous est permis. En plus de rechercher la protection d'Allah, de pratiquer l'amadoum. D'accord Et ça peut être parfois, quand on dit ennemi, ça peut être même dans des personnes au quotidien, quelqu'un qui vient pour te provoquer, pour t'énerver. Hein Attention au terme ennemi, ça pourrait être mal interprété. Mais parfois c'est même dans le cadre du couple. Je n'ai pas dit que la femme est, est l'ennemi de l'homme ou l'homme est l'ennemi de la femme. Mais parfois, dans, quand il y a des conflits, quand il y a des tensions, il faut user. Justement, de, de psychologie comme ça, et, et amadouer cette personne en face, ou ton voisin, ou ton frère, ou ton ami, il y a un conflit. Un, sans, sans déterminer que elle, elle, elle est, cette personne-là, à ce moment-là, un ennemi. Mais il y a un problème. Il y a un, un conflit. Eh bien, il fait partie de la bonne intelligence d'amadouer les gens avec qui tu es en conflit. Et ne pas crier plus fort qu'eux. Et ne pas répliquer. Et ne pas t'enorgueillir et ne pas partir, ça ne règle rien. Repousse le mal parce qu'il est meilleur, et voilà que ton ennemi, ou plutôt, on pourrait dire ici, et voilà que celui avec qui tu as un conflit, un problème, devient-elle un ami chaleureux. Pourquoi Parce que si ta femme te manque de respect ou désobéit à Allah ou ta'ala, et donc à toi aussi, hein Si cette femme-là fait un mal, ou est injuste, ou parle mal, et que tu repousses son mal par du mal, comment tu veux t'en sortir, mon frère? Ça c'est nécessaire, Mais même au sœur à l'inverse, comment tu veux t'en sortir quand quelqu'un a de l'animosité la, envers toi C'est de la passion donc, et tu rentres dans son jeu de passion et tu lui rends l'animosité. Non, repousse le mal parce qu'il est meilleur. Car voilà que celui qui est ton ennemi, qui a de l'animosité envers toi, qui te fait les problèmes, deviendra, inshallah, ta'ala, tel un ami chaleureux. Mais ceci n'est donné, bien sûr, qu'à ceux qui endurent. Parce que ça demande énormément d'endurance, de patience. Et d'abnégation. Et ceci n'est donné qu'aux bénéficiaires d'une grâce divine immense. Il faut vraiment qu'Allah ait mis la miséricorde sur toi pour que tu puisses agir de la sorte. Mais si jamais Shaytan t'incite à agir autrement, c'est-à-dire à répliquer ou à te venger, alors cherche la protection d'Allah. Mais pas, car c'est lui vraiment, c'est lui qui entend et c'est tout. Donc ici on a toutes les injonctions dans ce verset. N'agis pas en mal, hein. Et si tu ne veux pas agir en bien, au moins n'agis pas. Mais essaye d'agir en bien. Et Wallahi, les gens. Les gens, Alors, je ne dis pas forcément euh, les plus grands islamophobes et les plus grands euh, tyrans, il y en a, ils sont inarrêtables, euh, ce sont et ce sont des chariatines, et on l'a vu, hein, il se peut, peut qu'ils reviennent euh, sur la nat leur nature euh, de base, euh, et qu'il se peut que cet amadouement fasse d'eux des alliés aux intentions pures et sincères, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas parce que tu vas être gentil avec ton ennemi qu'il va obligatoirement te répondre en bien. Il y a des gens, <coughs> ce sont des tyrans. Il y a des gens, ce sont des méchants. Il y a des gens, ils sont avec le shaitan et c'est comme ça. Et tu as beau être gentil avec eux, ça ne fonctionne pas. Ou bien ça ne fonctionne pas encore. Peut-être ça fonctionnera un jour. Donc il ne faut pas se décourager. Mais je parle ici de manière générale, dans la plupart des cas, et les cas, c'est les cas du quotidien, on n'est pas non plus avec des ennemis euh, toute la journée et tous les jours, Alhamdulillah, qu'Allah nous, nous apaise. Je dis le voisin, le, le père, la mère, la femme, le mari, l'ami, le collègue des gens qu'on qu fréquente et qui ne sont pas nos ennemis à la base, quand il y a des conflits comme ça, bien la personne qui a de l'animosité envers toi, si tu lui rends du bien, elle se sent un peu bête, elle se sent confuse. Pourquoi Elle t'a crié dessus, elle t'a mal parlé, elle t'a fait une injustice, et toi tu lui fais un grand sourire et tu lui rends du bien. Bah ben Là, ça fuitera, elle se réveille. Automatiquement et instinctivement, la personne, elle, elle se dit quoi J'ai vraiment mal agi. J'ai vraiment mal agi envers lui, j'ai été injuste. Elle prend conscience de... Parce que ça met de l'eau sur la flamme de sa passion et de sa colère. Mais si tu lui rends du mal, de la colère, ça ne fait que attiser sa haine, ta rancune, son animosité. T'as tout à perdre à rendre euh, le mal par le mal. Et tu tout à gagner à rendre du bien. Parce que même si la personne, comme on dit, elle ne te calcule pas, ou elle persiste dans son égarement et dans son injustice, dans sa mauvaiseté, dans sa méchanceté, tu n'as rien perdu parce que tu as agi en bien pour Allah, Azogel, tu le retrouveras dans ta tombe. Donc, tu rien perdu. Et en plus, tu t'es épargné des problèmes de santé. Ah, l'ulcère, l'hypertension, le, 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 le ronger les ongles et compagnie, d'accord Tu t'es épargné du stress, en somme. Et puis, la noirceur du cœur, etc. La personne, elle t'envoie du négatif. Tu fais un grand sourire, tu inspires, tu expires et tu renvoies du positif. Ta femme, elle te parle mal, va lui acheter un cadeau. Ajib, on pourrait dire Ajib, mais celui qui fait comme ça, il a tout compris. Ta femme, elle te parle mal, tu lui dis Au fait, je vais te dire, je t'aime. Incroyable, hein? Ajib ou Mais si tu agis comme ça, Wallahi, ton cœur il s'appelle sur le champ, toi. Tu sais pour qui tu le fais. Et en plus, tu es intelligent. C'est ce qu'on appelle, parmi ce qui est légiféré et honnête, de bonnes manipulations psychologiques. C'est de la manipulation psychologique. Mais c'est pas la manipulation psychologique des pervers narcissiques et des, et des gens étranges. C'est prendre la personne à contre-pied, avec le bien. Elle, elle voudrait quoi? Que tu lui rendes du mal, elle te crie dessus la barre comme ça, ou elle t'insulte. Toi tu fais quoi Tu fais tout le contraire. Elle est choquée. Comment on dit, elle est choquée. Elle ne comprend pas. C'est la meilleure solution pour tout gagner. Pour déjà se sentir bien intérieurement, gagner des hasanets. Et dans beaucoup de cas, si la personne n'a pas un mauvais fond à la base, elle va revenir. Très vite, elle va revenir. Elle va se dire j'ai été trop loin et je suis méchant ou méchante avec lui, il ne renvoie que de la gentillesse en face. C'est qui celui-là Allah va mettre une, une miséricorde dans son cœur si la personne n'est pas mauvaise de base. Mauvaise de base, pardon. C'est obligatoire. J'ai rarement vu des gens euh, qui ne sont pas foncièrement méchants persister dans du mal alors que tu leur envoies du bien. C'est très rare. C'est très très rare. Il faut vraiment que la personne soit très 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 en colère. En général, c'est comme l'eau sur la flamme. Ça éteint. Hein? Pensez à ça. Pensez à ça. Mais effectivement, ceci n'est donné qu'à ceux qui endurent. Et ceci est donné qu'aux bénéficiaires d'une grâce divine immense. C'est un exercice de style, hein. C'est pas facile. La nature de l'être humain, c'est de crier au scandale. La nature de l'être humain, c'est de vouloir son haut tout de suite et maintenant. Et demander réparation de l'injustice. La nature de l'être humain, c'est la plainte. Hein? La nature de l'être humain, c'est comme ça. On peut rien y faire. Combat cette nature. Élève-toi, purifie-toi. Sois plus noble. Que la base et la norme des êtres humains c'est ce qu'on cherche tous je ne dis pas que c'est inhumain de réagir euh, y a un, euh, par la colère lorsqu'on nous envoie de la colère d'accord par du mépris quand, quand on nous envoie du mépris je ne dis pas que c'est inhumain c'est classique réagir par de, des, des, des mots un peu durs quand on nous a envoyé des mots un peu durs mais imaginez imaginez se faire comme ça euh, euh, critiquer, descendre, ou piquer ou insulter par quelqu'un de très proche, hein, même ta hein, propre famille, ta propre famille, ta femme, mon frère, ton mari, ma soeur, et être capable d'encaisser cela et de le transformer en bien. Ne pas répliquer à ses propos, les encaisser et dire Cette personne-là, en vérité, c'est une personne malade, miskine, donc voilà, je, je lui pardonne, c'est parce qu'elle dit qu'Allah lui pardonne. Et moi, je te renvoie de belles et douces paroles. C'est ajib. Et c'est, à titre d'éducation, très fort pour la personne en face, pour qu'elle se calme et qu'elle arrête ce genre de choses. Mais je n'ai jamais dit que c'était simple. Voilà. De toute façon, cher Raslan, il a dit, je, re je reviens à la pour les frères, il a dit, hein, la vraie bienfaisance envers l'épouse, c'est de rester bienfaisant envers une femme qui, tantôt, t'envoie du mal. Parce qu'être bienfaisant envers une femme qui t'envoie que, que de la bienfaisance, c'est pas très compliqué. Tu rends le bien au bien. Mais rendre le bien au mal, c'est là que c'est plus compliqué. Et il faisait certainement allusion à ce verset aussi. <laughs> certainement et très certainement. Hein? Combien de femmes se rebellent ou sont injustes ou crient ou machin ou... La passion. La passion. Elles ne sont pas parfaites, on n'est pas parfait non plus. Mais comment tu vas réagir D'accord C'est ce qu'il faut se poser comme question. Est-ce que tu es vraiment un homme bienfaisant envers elles L'homme bienfaisant, je répète, c'est celui qui... Patiente et reste bienfaisant envers une femme qui ne l'est pas nécessairement. Wallahu alayhi. Donc chercher protection, refuge auprès d'Allah et rendre le bien quand on nous envoie du mal. Parmi les hommes, ça. Par contre, pour les chariatines Jin, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire en raison. Hein, de ce que Shaitan avait comme animosité envers Adam, Ô oh, fils d'Adam, que Shaitan ne vous tente point, comme il a tenté vos premiers ancêtres, les faisant sortir du paradis. On parle de qui Adam et Hawa. Il a également dit, Ta'ala, Shaitan est votre ennemi, traitez-le donc comme tel. Il ne fait qu'appeler ses partisans à devenir les hôtes de la fournaise. Ou al Allez-vous le prendre, lui et sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis Quel détestable échange pour les injustes certes, shaitan y jura mensongèrement à notre ancêtre Adam qu'il était pour lui un conseiller sincère. » Comme quand il t'enjolive le péché, il te dit « fais comme ci, fais comme ça, c'est pas grave. » Non, il t'enjolive la chose, il te dit qu'il est bon conseiller pour toi. C'est pour ça qu'on dit « min sharil que le conseiller soit djinn ou être humain. D'accord Comment on nous préserve des, des, des mauvaises suggestions, des des, des, wasawis, hein, des et des, des mauvais conseils Il a juré à Adam qu'il est un conseiller sincère donc pour lui. Donc, il lui a menti, et il l'a trahi. Comment pourrait-il donc se comporter autrement avec nous Alors qu'il a dit par ta puissance, Allah, je tenterai tous les hommes. Il a juré par Allah. Par ta puissance, je tenterai tous les hommes, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Allah -t a -t a -t a dit par ailleurs, lorsque tu lis le Coran, implore la protection d'Allah contre le Shaitan, le maudit. Il n'y a aucun pouvoir, il n'a plutôt aucun pouvoir sur les croyants, le Shaitan, qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui l'associent à leur culte. C'est pour ça qu'il y a certains gens qui disent, avant de lire du Coran, c'est obligatoire de réciter « Justement, al est à prononcer avant l'arrestation du Coran et c'est le prochain chapitre. Lorsque tu lis le Coran, donc implore la protection d'Allah contre Shaitan Rajim. Ce verset, ce verset doit être compris ainsi. Lorsque tu veux lire du Coran, implore la protection d'Allah contre Shaitan le maudit. Le Très-Haut dit de même par ailleurs, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, lavez-vous le visage et les mains autrement dit lorsque vous voulez vous lever pour accomplir la salat lavez vous le visage et les mains et les hadiths prophétiques prouvent que ce verset doit être interprété de cette manière d'accord donc lorsque tu lis le coran c'est pas lorsque tu es déjà en train de le lire c'est lorsque tu veux lire le coran lorsque tu t'apprêtes à la même manière lorsque vous vous levez pour accomplir la prière c'est hein, lorsque tu t'apprêtes à aller prier tu fais d'abord lodo pour aller prier Imam Ahmed ibn Hanbal, rahmoullah rapporte d'après Abu Sa'id al-Khudri que le messager d'Allah sallallahu wa sallam, se leva la nuit pour prier. Il commençait par célébrer la grandeur d'Allah en disant Allahu akbar avant d'entamer sa prière par ces paroles. Pureté et louange à toi, oh Allah, que ton nom soit béni, que ta majesté soit exaltée, il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Puis il disait trois fois La Allah. Et ensuite, il prononçait cette invocation. Je cherche la protection d'Allah. Celui qui entend et sait tout. Contre shaitan, le maudit. Contre son étreinte, el hamz, son arrogance, el et sa poésie, elle naf. billahi al shaitani rajim Min plutôt. ونفخي ونفخي. ونفخي ونفخي. Ce hadith est rapporté par les quatre auteurs des sunan ونفخي. et al précise qu'il s'agit du hadith le plus connu à ce sujet. D'accord Ce n'est pas obligatoire, on peut dire C'est permis. Si on veut rajouter A'ouvu Billahi Sami Al-Alim, rajim on peut. Et si on veut dire, Imina hein, etc. Abidaoud de et Ibn Majah rapporte ce récit que Jubair Ibn Mu'tim, euh, tint de son père. J'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entamer la prière en disant Allah est le plus grand. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Louange à Allah abondamment, louange à Allah abondamment, louange à Allah abondamment. Pureté à Allah matin et soir. Pureté à Allah matin et soir. Pureté à Allah matin et soir. Oh Allah, j'implore ta protection contre Shaitan le maudit, contre son étreinte, son arrogance et sa poésie. El Hamz euh, Nafr Wa naf. En effet, Amr Ibn Murrah explique que le terme Hamz désigne l'étreinte, que le mot nafr euh, signifie l'arrogance et que le mot euh, naf c'est la poésie. Et on cherche secours auprès d'Allah, protection contre tout ça émanant de Shaitan. De même Ibn un rapporte d'après Ali ibn al-Munzir, d'après ibn Fudayl, d'après Atta ibn al-Saib, d'après Abu Abdurrahman al-Sulami, d'après ibn Mas'oud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Oh Allah, j'implore ta protection contre Shaitan le maudit, contre son étreinte, son arrogance et sa poésie. Encore une autre version, hein? billahi minash rajim » Min naf, euh, min wa nafhi wa nafhi. Donc, il y a plusieurs versions. Et Ibn Sahoul précisa que le terme Hamz, c'est l'étreinte, Nafr, c'est l'arrogance, et Naf, c'est la poésie. Et on va poursuivre ici, Naam, avec deux, deux chapitres encore, Inch'Allah. On va avoir imploré la protection d'Allah au moment de la colère, justement, j'en parlais tout à l'heure. C'est essentiel et al-Istiraya, est-ce qu'elle est obligatoire ou seulement recommandée Donc dans son Mousnad, al-Hafif Abu euh, yaallah Ahmed, ibn Ali ibn al mufana al-Mawsili rapporte ce récit de Ubayy ibn Ka'b. radi anhu. Deux hommes se disputèrent. Deux hommes se disputèrent en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point que le nez de l'un d'eux se mit à frémir de colère. Frémissait de colère. Non. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, je connais en vérité une formule qui, s'il la prononçait, éteindrait sa colère. rapporté en ces termes par Al-Nasa'i dans son livre intitulé Al-Amal, Al-Yawm, Wal-Layla, c'est-à-dire les œuvres du jour et de la nuit, Al-Yawm wa Al-Layla. De même, Al-Bukhari rapporte ce récit de Suleyman ibn Surad, Alors que nous étions assis en compagnie du prophète, sallallahu wa sallam, deux hommes s'échangèrent des insultes. Et le visage de l'un d'eux devint rouge de colère. Le prophète, alayhi wa sallam dit alors :« Je connais des paroles qui, s'il les prononçait, éteindraient sa colère. » Les compagnons dirent à l'homme « N'as-tu pas entendu ce qu'a dit le messager d'Allah ?» Et il a répondu :« L'homme, je ne suis pas possédé. C'est-à-dire, je ne suis pas possédé pour avoir besoin de pro prononcer ces paroles. Tout va bien. » Ça, c'est l'orgueil. Comment ça, je cherche protection auprès d'Allah contre le shaitan et le rajim Je ne suis pas possédé, moi. Je... Quand on est en colère, on est comme possédé, mais on ne s'en rend même pas compte. Donc ça, c'est de hein, C'est de, de l'orgueil. Pas besoin d'être possédé pour prononcer ces paroles-là. La colère suffit. Et le hadith est également rapporté par Muslim, Abidaoud ou Al-Nasa'i. D'autres hadiths, trop nombreux pour tous être mentionnés ici, ont été rapportés au sujet de la recherche de protection d'Allah. De tels hadiths peuvent être trouvés dans le livre regroupant les invocations, le dhikr et les œuvres vertueuses. Et Allah en est mieux informé que quiconque. al du coup, est-ce qu'elle est obligatoire ou seulement recommandée C'est le prochain chapitre et le dernier qu'on va faire pour ce cours. La majorité des îlama de l'islam affirment qu'implorer la demande de protection d'Allah n'est pas une obligation, mais seulement recommandée. Celui qui y renonce ne commet donc pas de péché. Sa prière, notamment pour la prière, est valide. Selon Razi Atta ibn Abi Rabah, il affirme, lui, qu'implorer la protection d'Allah est obligatoire pour celui qui s'apprête à lire le Coran, dans ou en dehors de la prière, avec le moujhaf, ou bien alors dans le qiyam. Razi confirme les paroles de Atta en s'appuyant sur le sens apparent des paroles d'Allah, ou implore la protection. Pas de détails, c'est un ordre. Implore la protection. En effet, ici, il s'agit d'un ordre qui, de toute évidence, implique l'obligation de s'y soumettre. C'est Allah qui nous demande. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, répéta assidûment cette formule de protection qui repousse le mal de Shaitan. Or, si un acte, c'est-à-dire implorer la protection d'Allah contre Shaitan, est nécessaire pour remplir une obligation, à savoir repousser le mal de Shaitan, comment implorer... Euh, comment plutôt repousser le mal de Shaitan sans implorer la protection d'Allah Et on a besoin que le mal de Shaitan nous soit éloigné. Donc, si un acte est nécessaire pour remplir une obligation, alors cet acte devient en lui-même obligatoire. Vous avez compris On est obligé de s'éloigner de là. Euh, de la, de la, de la, du mal de, de shaitan. On est obligé de s'en écarter. Hum? Et pour ça, il faut implorer la protection d'Allah. Donc ça devient obligatoire. Par ailleurs, en prononçant cette formule, on s'entoure de précautions dans tous les cas. Il suffit pour cela de dire J'implore la protection d'Allah contre Shaytan le maudit. A billahi rajim. Tout simplement. À répéter, je dis, Voilà, avant, il y ni la lecture du Coran, avant, bien sûr, hein, la, la prière Allahu Akbar, et puis, hein. On va prononcer ça avant de réciter la première fois le fatih. Et puis dans les moments où il y a moment on a des wasawis, on doute, on est mal, on est triste même, hein Bien sûr quand on est triste il y a d'autres formules, hein, de tawhid, illa, al-azim al et etc. mais aussi ça pour pas que Shaitan justement nous nous, nous, nous zappe comme ça et, et nous prenne de l'énergie, prenne le dessus, hein, et nous mette au tapis. Et puis bien sûr dans les cas de conflits de colère, quand là nous facilite.